Le Burkina Faso, qui est représenté au 19e championnat du monde d'athlétisme qui ont débuté ce matin à Budapest. Il regroupe plus de 202 000 athlètes de 200 pays, dont Hugues Fabrice Zango et Matt Kuala. Matt Kuala qui vient du reste de se qualifier pour la finale avec un saut de 6,84 m, nous dit Mahamadi Wena. Matt Yassine Kuala était attendu et elle l'a réalisé. Dès le premier essai, la sauteuse en longueur avec 6,84 m se qualifie directement pour la finale. Avec cette performance, Matt Yassine Kuala peut désormais rêver à une première médaille mondiale. Quant à Hugues Fabrice Zango, deuxième au classement mondial et auteur de la deuxième performance mondiale de l'année, avec ses 17,81 m, il ne rêve que d'or après le bronze de Doha et l'argent à Eugène. 17,66 m, nouveau record d'Afrique, c'est formidable. Regardez ce drapeau burkinabé. J'ai pu quand même enchaîner des bons entraînements avec mon coach. Et comme vous l'avez vu, toute cette saison était assez régulière avec des performances au-dessus de 17,60 m. Donc ça me place quand même à une certaine position et ça me fait être confiant justement pour cette échéance. Tous les voyants sont ouverts et c'est pour une des rares fois où j'ai vraiment tous les voyants ouverts. Je suis en forme, donc là il n'y a plus qu'à y aller. Les qualifications pour les triples sauts, c'est cet après-midi à 17h35.